Bonjour les amis, bonjour en ce dimanche 14 avril 2019. Euh, bon, je vois que ma connexion est encore une fois très mauvaise et attaquée. Hein, pour dans, pourtant, j'utilise plusieurs euh, lignes. Euh, ce n'est pas grave, euh, vous savez que j'enregistre mes lives et que donc je vous le diffuserai à peine terminé. Donc, avant de vous passer une courte vidéo que je viens de filmer à l'extérieur, qui montre un magnifique ciel et un beau lever de soleil, comme vous le voyez à l'image, euh, j'aimerais dire un mot euh, sur cette pub BFM, encore une fois pour son chouchou, et pas que BFM, pour le, le chouchou des merdias, Eric Drouet. Un mot extrêmement rapide. Donc les Merdia nous informent que euh, l'acte 23 déjà, euh, le 20 avril prochain, samedi prochain, ce sera donc euh, tout le monde sur Paris. Euh, il ne manque pas euh, à chaque fois de tenter la même chose, soit des blocages en poussant... Tout le monde à la grève générale, ce qui est totalement contre-révolutionnaire. Je vous l'ai déjà expliqué, regardez mes travaux. Aussi en poussant euh, tout le monde à adhérer au RIC, ce qui est totalement contre-révolutionnaire. Regardez mes travaux. Mais aussi en poussant tout le monde à aller dans des endroits où ils vous attendent pour de l'orchestration avec les caméras. Et pour décré décrédibiliser donc les gilets jaunes et n'importe quelle autre cause. Et regardez là aussi mes travaux. Euh, donc là, euh, a priori on voit pas Eric Drouet derrière cette page, d'accord Sauf que il suffit déjà BFM VC euh, à BFMVC a précisé que Eric Drouet fait l'appel, donc ils identifient clairement cet événement euh, comme étant euh, l'œuvre de Eric Drouet, et nous pouvons faire une enquête extrêmement simple à l'œil nu. Pour voir effectivement que c'est soit Eric Drouet ou en tout cas euh, le staff de Eric Drouet si ce n'est pas lui-même qui a créé euh, cette page et cet événement euh, tout simplement les amis regardez ici ultimatum deux appels déjà comme, euh, comme d'habitude c'est la signature unique et un copiable de de Eric Drouet, il manque un S et deux appels nationales. Et là, il faudrait mettre deux appels nationaux et internationaux. Euh, si on regarde qui organise, on voit qu'il y a plusieurs donc plusieurs pages qui organisent dans gilet jaune. Ici on voit bien les messages appelant à la destitution de Macron. Je vous ai expliqué pourquoi c'était contre-productif et contre-révolutionnaire. Regardez mes travaux. Mais si on descend vite fait, on regarde par exemple l'appel pour l'acte 20. Et là, il est très simple à l'œil nu de trouver la super signature de Eric Drouet parce que euh, acte 20, Paris, dissidence, tous ensemble, et ben là il y a un S de trop. Il aurait dû le mettre euh, dans la page d'avant. Ensemble, ça ne prend pas un S. Voilà les amis, donc il ne faut surtout pas aller euh, uniquement sur Paris pour l'acte 23. Il faut aller partout. Euh, il faut essayer euh, de euh, d'aller dans les magasins les normalement euh, un peu partout en France la France n'est pas les champs-élysées, la France n'est pas l'arc de triomphe la France n'est pas place de la république. Allez partout, vivez normalement. Le mieux c'est de mettre euh, votre gilet jaune et d'aller faire les magasins pour que les autres vous voient. Euh, je vous rappelle que les gilets jaunes ne s'arrêtent pas uniquement au samedi. En plus des samedis... Euh, j'appelle à mettre tous les jours à 13 h le gilet jaune pendant une minute pour que les autres vous voient que ce soit l'idéal ce serait dans une rame de métro dans un train euh, dehors lorsque vous vous êtes en train de de, de, de marcher dehors euh, lorsque vous mangez euh, euh, dans, un, dans un fast food euh, peu importe burger king mcdo kfc un grec, voilà, mettez à 13 heures les gilets jaunes, peu importe là où vous serez, ça permettra de contaminer les autres par le bien. Et bien entendu, on ne lâche aucun acte, l'acte 23, on met son gilet jaune partout en France, on ne va pas euh, suivre les parcours décidés par les Merdias, le système ou Eric Drouet. Ou d'autres partout en France et euh, c'est important donc euh, de continuer les samedis, les actes, les samedis jaunes jusqu'au beau jour, jusqu'en mai, jusqu'en juin, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Et là, le gain de cause, ce n'est pas ce n'est pas les revendications d'Éric Drouet ou de plein d'autres. Les, le gain de cause, le seul gain de cause, les amis, c'est changer de monde, changer de système. Les autres pays nous suivent. L'Algérie, le Soudan, la Serbie. Plein de pays sont en train de nous suivre, les amis. Donc, il faut changer de monde et ne pas faire une république. 5 plus plus, comme veut Marine Le Pen et ses amis, ou une 6 république comme veut la France insoumise, Mélenchon et ses amis. Non, il faut changer complètement de monde, complètement de système, les amis. Allez, je vous passe la courte vidéo que j'ai faite euh, ce matin pour vous montrer ce beau ciel et je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche bonjour Magali oui, il avait dit qu'il arrêtait les manifs, il avait dit qu'il enlevait son gilet jaune, le drouet euh, il avait dit beaucoup de choses hein, qu'il parlerait pas, qu'il ne parlerait pas il n'a pas envie de parler de maçonnerie de franc-maçonnerie et pourtant il nous dit euh, voilà, euh, vous êtes sympa, euh, je vous ai entendu allez, on regarde Bonjour les amis Ciel sans chemtrails Pourvu que ça dure Bon dimanche les amis Voilà les amis, je vous souhaite encore une fois un excellent dimanche et on se retrouve ce soir.